Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Lover et c'est surtout les princesses Petit Chat et Bonjour. Petit Lapin qui vont vous Bonjour. présenter un petit haul de chez Nose. Alors les filles, les règles comme d'habitude, pas de gros mots, on parle bien, pas trop fort et on ne donne pas ses petits prénoms. Voilà. Oui. Alors, on va commencer par les jus de fruits qui Tu peux me lire s'il te plaît, petit lapin? Fruit shoot. Shoot, voilà. Alors, je sais pas si on voit bien la marque. Voilà, la marque. Voilà. Ensuite, nous avons des produits de maquillage, les fards à paupières, voilà, qui sont bien massés, ils sont bien colorés en tout cas, ils sont magnifiques. Il y a même le petit pinceau à l'intérieur, je crois. Alors voilà. Nous avons, je sais pas ce que ça veut dire, de la poudre à l'orange. Je crois que c'est de la poudre à mettre dans de l'eau, comme ça. Ça fait du jus d'orange. Oui, par exemple, je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la marque? Tang. Tang, voilà, Tang. Ou alors Tang, je sais pas si c'est si le G est muet. Et bon. Alors voilà. Ensuite, on a des tout petits marshmallows. Voilà. Ils sont trop mignons. Ils ont plusieurs couleurs. Et ils ont plusieurs formes. Alors, comme vous voyez bien, là, il y a un marshmallow qui tourne une botte, un marshmallow avec des lignes et un marshmallow. Voilà. Nous avions une grande pochette à rabat où il y a plein de petits chats roses et noirs et blancs. Il y a le prix. Je ne sais pas si tu peux nous lire. 99 €. Voilà. 99 € centimes. Non, 99 centimes. Tu m'as dit ça en tout cas. Oui, je sais, mais je me suis trompée. Alors voilà. Ensuite, nous avons des pansements. À mon avis, qui s'enlèvent à l'eau. C'est ça? Qui sont résistants à l'eau, donc ça c'est parfait quand on part en vacances ou pour l'été avec les sandales quand on en a plus, des petites un petit soleil. Ampoules. Voilà. Pour la modique somme de 1,49 €. Ensuite, nous avions des stylos. Il y a, à mon avis, il y a un chien et un chat juste en dessous.
y a le chien et le chat, voilà. Ensuite, nous avons un lapin en chocolat qui a été un peu écrabouillé. Qui a un peu été écrabouillé, alors c'est pas le mien. Non, mais c'est tous les lapins qui sont abîmés. C'est pour ça qu'on les a pas chers. Ah, il tient aussi. D'accord. On va les mettre au réfrigérateur comme ça. Comme ça, ils vont geler. Ils vont être bien froids pour ne pas qu'ils fondent en même temps. Alors voici ce petit lapin. Crabouille un peu. On va pas le crabouiller trop. Sinon, voilà. Après, ça sera plus du chocolat, ça sera du chocolat fondu. Ensuite, nous avons du chocolat au marshmallow qui a l'air bon. Qu'il y a des petits morceaux de marshmallow à l'intérieur. Et à mon avis, peut-être que vous ne le savez pas, j'adore les marshmallows. Ensuite, nous avons une petite trousse papillon où il y a un papillon avec ses deux petites antennes et ses deux petites fleurs sur ses ailes. Et nous avons un petit pompon sur sa fermeture. Voilà. Maintenant, on va commencer par les vêtements, les casquettes et tout. Il y en aura trois. Nous avons en premier une casquette de Titi Rominet. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Qui est donc très jolie avec un arc-en-ciel, Titi, plein de petits cœurs et plein de petites couleurs. Même des petits papillons. Et voilà. Et il y a le prix également. 1,50€. 1,50€. Donc c'est pas du tout cher. Pas du tout cher pour une casquette en plus. C'est vraiment pas cher. Pas du tout. Ensuite, nous avions un pantalon. Pantacourt. Je sais pas si on va le voir entier. Là, avec des petits boutons qui sont... Oui, il y a un petit nœud même dessus. Oui. En déco. Voilà, pour 1,50€. En coton. Donc ça, c'est parfait quand il fait chaud. Et c'est taille 6 et 7 ans. Ça me va bien en plus. Donc on va voir... je sais pas, on va essayer. Soit pour toi, soit pour petit lapin. Petit lapin. Ensuite, nous avions une belle robe où il y a plein de fleurs. Enfin, pas tellement que la mienne. Hein. Donc, on l'a eu pour 3 fois rien. Elle n'était pas chère du tout. Si, un petit peu. Bah, au départ, elle est à 39,95€. Et nous l'avons payé. Enfin, le prix n'est plus dessus, mais on l'a payé 4,95€. Donc, voilà. En gros.
trop là. On va pas voir trop la robe. Il est tout le temps chipouillé là. Voilà, c'est pas grave. Donc le devant c'est du tissu et l'arrière il est tout à fait élastique, donc très confortable. Ça a l'air très confortable, j'ai hâte de l'essayer. Voilà. Alors maintenant c'est le tour de Petit Lapin qui va montrer ses créations à elle. Je vais commencer par les vêtements. Alors, on a un t-shirt. Alors, je vais essayer de trouver le centre. Entendu ? Oui. Parce que ça fait mal aux oreilles. Non. Ah, voilà. Donc, voilà. Voilà, donc c'est. Avec des petits cœurs. Donc, les petits cœurs. Oui, ils sont beaux. Hein. C'était donc. Pour 1,20€. Une misère quoi, vraiment. Pas cher du tout. Parce que c'est brodé, et quand c'est brodé, ça tient bien au lieu de les imprimer. C'est très joli. Alors, on va passer à ma casquette de Titi Rominet. Comme ma sœur, il y en avait plein. Sauf que je ne savais pas trop laquelle choisir. Mais j'ai choisi celle-ci. Alors, pour 1,50€. Alors, elle a des petits pois. Et à nouveau, elle est brodée. Et donc, vous aurez constaté le choix du bleu pour Petit Lapin et le choix du rose pour Petit Chat. Pour Petit Lapin, sa couleur préférée, c'est le bleu. Et moi, c'est censé être le violet. Mais j'ai préféré la rose. Alors, j'ai pris une pochette à rabat rose avec des paillettes, vu qu'elle était vraiment magnifique. Ça, tu peux mettre tes dessins dedans. Alors, moi, je l'adore. J'ai craqué. Alors, si on l'ouvre, ça donne ça. Voilà, elle était vraiment magnifique. Et elle coûtait 99 centimes. Vraiment pas cher. Chez Noz, les achats ne coûtent pas du tout cher. Alors, on continue avec des Clickies. Je ne connaissais pas, mais bon, j'ai trouvé ça au hasard. Et j'ai pris. Alors, c'était à 1€. Alors, voilà, on peut faire des bandeaux, une ceinture, des mèches à mettre dans les cheveux, un collier ou alors des bracelets. Alors, voilà. Les petites formes qu'il y a. Alors, elles sont juste devant. Voilà. Vraiment magnifique. Il y a des fleurs, des coccinelles et des papillons. Voilà. Magnifique. Ici, on a un petit exemple. Alors, on continue avec un jouet. Désolée pour le bruit. Alors, je sais pas trop ce que c'est. C'est comme un frisbee. Oh, ouais, on peut dire ça. Je sais pas trop ce que c'est. Mais ça a l'air d'être amusant. C'est comme un frisbee. Comme un ventilateur. Comme un ventilateur qui, à mon avis, qui tourne quand ça atterrit. Alors, on va passer à ce qui se mange. Qui se boit d'ailleurs. Alors, on a des. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, des grissini. Et ça coûtait 75 centimes. Pas cher du tout. Ah, c'est au sésame, donc je ne sais pas si vous allez aimer, je n'avais pas vu. Voilà.
Donc, voilà. Et j'essaie d'attraper ce qui est au fond. Voilà. Alors, on a du Nasty. Voilà. C'est à la pêche. J'adore moi le Nasty. Donc voilà. Ça, c'est vraiment bon, sauf que celui-ci, il est moins sucré que ceux que j'aime. Donc voilà pour le Nasty. Ensuite, on a des réseaux, des biscuits. Donc, voilà, on en a deux paquets. Voilà. Alors, ce sont des réseaux. Et moi, tout ce que ça me donne envie de les manger. Donc, ce sont des biscuits à la farine de riz. Donc, pour ceux qui ne supportent pas le gluten, ils sont quand même très digestes. Et malgré que ça n'ait pas l'air, ça goûte très bien le chocolat. Je trouve ça très bon. La deuxième fois que j'en prends, j'ai pris deux sachets cette fois-ci. Voilà. Alors, on a la même chose. Alors, enfin, pas la même chose. On a de la poudre à l'ananas et de la poudre à la framboise, je crois. À la fraise, pardon. Et je crois que c'était quelque chose à mettre dans l'eau. Voilà, en fait, normalement on met un sachet dans un litre et ça fait une espèce de boisson aromatisée. On l'a dit pour Petit Chat quand il l'a montré. Alors, voilà. Mais j'avais pris orange aussi. C'est Petit Chat qui a montré. Ah oui. Voilà. Et donc. La marque, ça a l'air de Tang. Mm-hmm. Oui, oui, Tang. Oui, Tang. Voilà. Ensuite, on a des barres Schtroumpf. Voilà. Alors, comme ça vient pas de France, et c'est les Smurfs. Je pense que ça doit être des barres où il y a que du chocolat. Ou alors il y a peut-être quelque chose à l'intérieur du chocolat, je ne sais pas. Tu veux que je regarde. Ça coûtait 59 centimes, c'est ridicule. Alors. C'est pas cher du tout. Les crémés, cacao, blablabla. Non, apparemment. Il n'y a pas écrit. Je pense que c'est du chocolat roulé plein. Voilà. Donc c'est super. Voilà. Tout simplement. Donc apparemment, il y en a 8 packs. 8, c'est écrit en bas. Donc voilà. Ça me donne envie aussi. Alors. On a. C'est du chocolat au lait fourré à la fraise et apparemment ça pétille. Donc moi ça me donne envie, j'ai envie de tout goûter. Alors là clairement c'est pour le fun quoi, parce que c'est, parce qu'au niveau diététique c'est un truc terrifiant. Et ça coûtait 60, voilà, centimes. 60 centimes. Vraiment pas cher. Voilà. Donc. C'est encore bon jusque novembre en plus. Hein, donc là, on a le temps. On a bien le temps. En général, quand on achète des barres de chocolat, on en a pour une semaine. On les mange en une semaine. Et encore. Au moins. Non, et encore. Moins. Moins que ça. On est des grands goulus de chocolat. Tu l'as cassé. Bon, au moins il sera déjà prêt.
Ça, c'est une façon positive de voir les choses. Alors, ensuite, on a un lapin en chocolat. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas chers parce qu'ils étaient tout abîmés. Voilà, je ne sais pas c'était quoi le prix. Et c'est sur le ticket. Je peux chercher ? Marshmallow. Ah, il y a un truc, les sucettes à congeler, tiens, qu'on n'a pas montré parce qu'elles sont au congèle. C'est un peu comme des Mr. Freeze. En fait, si vous ne connaissez pas, c'est une glace à l'eau. C'est un genre de tube. Et en fait, ça a croqué ou à sucer comme vous voulez. Et ça a des goûts différents. Parfois, il y en a même des bleus. C'est quoi déjà que je regarde là ? Le lapin au chocolat. Milka. Donc, c'est de la marque Milka. Voilà. Parle pas trop fort, chérie. C'est étonnant vu que c'est. Ah voilà, petit lapin, 50 grammes, 45 centimes. Voilà. Donc, c'est étonnant vu que c'est pas Pâques et ils mettent des lapins au chocolat. Bon, chez nous, il y a un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Donc, voilà. Tu vas te faire fondre. Il est déjà assez abîmé comme voilà. Ça, pauvre petit lapin. Il va mettre au frigo, il va reprendre un peu de tonicité. Alors, ensuite, on a des barres avec des petites pépites de chocolat. Donc, voilà. Il y en a 6. Et je vais voir ce qu'il y a. Donc, ça coûtait 1,29€ et 29 centimes. Alors, il y a pas trop écrit ce qu'il y a. Donc, je pense qu'il y a du blé, je crois. Oui, c'est de, oui, du blé. Il y a un peu de tout, avec du chocolat. Enfin, avec des petites pépites de chocolat. Regardez, et en dessous, tout en dessous de la barre, et ben, il y a du chocolat. Blé, donc avoine, c'est chocolat au lait. Blé, avoine, cacao, céréales croustillantes, farine de riz, farine de blé. Bon, classique, quoi. Voilà. Donc voilà. Et le dernier achat. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Voilà, c'était tout. Donc ce sont des pick-up. Ça c'est une tuerie ça. J'adore ça. J'en ai au chocolat au lait, sauf que je les ai presque tous finis. Et ils sont au chocolat noir ceux-là. Et ils sont 12. Hein. Il y en a 12. Si tu n'aimes pas, ce sera pour papa. Papa. Et vous voyez, en fait, il y a des sachets de 5 pick-up, ça coûte au moins 5€ et ça, pourtant, ça a coûté rien. Ça a coûté 2€ quelque chose, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Attends, je regarde. 2,10€. Voilà, 2,10€. C'est risible, quoi, pour ce produit-là. C'est pas cher pour ce produit, franchement, par rapport à 5 petits paquets. C'est dingue que tu connaisses les prix des pick-up, quoi. On voit bien que tu fais les courses. Je vais regarder sur la pancarte. Et voilà. Et voilà pour cette vidéo. Et voilà notre petit craquage, hein, parce que c'est ce genre de magasin, on rentre et on ne sait pas quand on sort. Rempli. Voilà. On a bien tenté d'essayer des chaussures, des choses comme ça, mais il n'y avait vraiment rien à leur taille. C'est mal coupé, trop large, trop long, enfin bon, soit. Parce que des petites sandales de plage. Les tongs, ça me plaît pas. Ouais, j'aurais bien voulu des petites sandales en plastique, mais c'est pas grave, on en achètera. Des sandales qui peuvent aller dans l'eau, quoi. Voilà, on en achètera en Espagne si besoin. Sinon, il y aura les crocs. Pendant les vacances, on va aller une semaine en Espagne à Ibiza. Voilà. Donc voilà. On va se laisser vivre un petit peu, se laisser nourrir. Prendra quelques kilos pendant la semaine. Et il va faire très très chaud. Ouais, enfin, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Oui. Et voilà, donc on va tous vous dire au revoir, vous remercier d'avoir écouté Petit Lapin que voilà. Coucou. Et Petit Chat qui est derrière moi. Tu
peux dire un petit mot pour dire au revoir. Au revoir. Voilà, ça timide un petit chat. Au revoir les amis. Et donc, voilà, les petites tenaient absolument à faire cette vidéo. C'est la première chose qu'elles ont dit en sortant du magasin. On veut faire un haul. Et manger tout ce qu'on a acheté. Et manger tout ce qu'on a acheté. Donc, on va aller mettre tout ce qui est chocolat au réfrigérateur parce que j'ai horreur du chocolat chaud, moi, personnellement. Et moi aussi. Je préfère quand ça croque. Et puis, on va vous dire au revoir et vous faire plein de bisous. Gros bisous. Gros bisous. Au revoir. Passez de bonnes vacances. Et si vous n'êtes pas encore en vacances, faites de beaux rêves de vacances. À plus tard.